Je t'en prie, ce n'est pas ta faute. Comment pouvais-tu deviner que les freins allaient lâcher? Alors, tu as vu Nil ? J'espère que ça t'a fait plaisir. Il a eu de la chance. Qui sait ce qui aurait pu lui arriver ? Il aurait pu y laisser sa peau. Mais il va bien, un peu inquiet. Il doit avoir peur. Après être passé si proche de la mort et avoir survécu. Prends soin de lui. C'est un bon ami à toi. Il a tant fait pour toi. Tu aurais du mal à trouver un si bon ami. Et plus si affinité. Quelle chance. Il s'en est tiré. Il a de la chance. Mais tu sais, malheureusement, la chance ne peut pas nous sourire à tous les coups, Vaidehi. Les miracles ne se produisent pas tous les jours. Tu sais, Vaidehi, alors j'avais vu juste. Ariane cherche à faire du mal à Nil. De quoi es-tu fait, Ariane? Tu ne tiens donc à personne? J'ignore ce que tu planifies pour Nil. Mais cette fois, je t'empêcherai de parvenir à tes fins. Maman, le dîner est prêt. Qui cela peut-il être? Monsieur Jessing est-il ici? Pardonnez-moi, monsieur Jessing, de vous importuner à une heure pareille. Ça va, c'est bon. Qu'y a-t-il? Madame Jessing s'est plaint qu'un accident s'était produit dans cette maison. C'est pourquoi je... Pourquoi tu as appelé la police? Papa, attends, ce n'est pas ce que tu crois. Ils sont venus enquêter au sujet de l'accident de Nil. Vaidehi, c'est pas grave, ce n'était rien. Nous aurions pu... régler cette affaire entre nous. Mais papa, c'est que... je m'inquiète pour Ariane. Imagine si Ariane avait été dans la voiture au moment de l'accident. Il aurait été blessé.
Et si c'était arrivé à Ariane, hein? Mais tu as raison. Je n'aurais pas dû m'inquiéter au point d'appeler la police. Je suis désolée. C'est bon, inspecteur. Merci d'être passé. Nous réglerons nous-mêmes ce problème. OK? Merci. OK, monsieur. Pas de problème. Merci. La chance ne peut pas nous sourire à tous les coups, Vaidehi. Les miracles ne se produisent pas tous les jours. Est-il devenu complètement fou? J'ai peur de ce qui pourrait arriver. Ô déesse Durga, je sais qu'Ariane veut se débarrasser de Neil, mais Neil est bon. Il ignore que Ariane, qu'il considère comme son frère, cherche à le tuer. S'il te plaît, déesse Durga, protège Neil. Protège-le. Allô? Combien de fois t'ai-je demandé de ne pas appeler chez moi? Hein? Arrête ces enfantillages. Je sais que parfois il y a un problème avec le réseau. On dirait que tu peux pas comprendre ça. Et alors, si mon téléphone avait été occupé, tu aurais quand même réessayé plus tard? Ne m'appelle plus jamais sur mon fixe. Compris? Monsieur Kumar? Oui, oui, je me rappelle. Nous devons le rencontrer pour discuter d'une affaire. Oui. Oui, je vous écoute. Allô? Non, monsieur Kumar, non, je ne veux pas de partenariat. Vous savez, tout le monde veut s'associer au J-Sing. Oui. Oui, je sais. C'est tout, imbécile. Je n'aurais jamais dû t'engager. Je n'aurais jamais dû engager un idiot comme toi. La prochaine fois, je veux les voir mourir de mes yeux. Je t'ai expliqué exactement ce qu'il fallait faire avec Neil et tu as échoué. N'oublie pas mes instructions, ok? C'est compris? Maïtili? Maïtili? As-tu vu Ariane? Il était juste ici. Il vient de partir au bureau. Mes belles sœurs, pourquoi est-ce que tu es si affolée? Pour rien. Mais as-tu vu Neil? Il est sûrement dans sa chambre. Je ne l'ai pas vu de la matinée.
Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'y a-t-il, Beth? Non, il n'y a rien. Oh mon Dieu. Ariane parlait assurément de Neil. Ce qui veut dire que sa vie est en danger. Oh mon Dieu. Veuillez protéger Neil. Je voudrais tant savoir ce qui se passe dans la tête d'Ariane. Mais qu'est-ce qu'il peut bien avoir dans la tête? Je pourrais au moins avertir Neil. Mais je ne sais que faire. Que dois-je faire? Comment puis-je prévenir Neil? Comment l'appeler? Je vais appeler son portable. Neil? Oui, Vaidehi. Neil, où es-tu? Est-ce que tout va bien? Tout va bien, Vaidehi. Je m'en vais sur le chantier. Pourquoi? Sur le chantier? Mais sur quel chantier? Allô, Vaidehi? Ne t'inquiète pas, je prends soin de ton ami. On se connaît depuis l'enfance. Moi aussi, je tiens à lui. Oui, nous serons de retour pour dîner. C'est promis. Bye. Pourquoi Neil? A-t-il coupé son téléphone? Et où Ariane l'emmène-t-il? Sur quel chantier? Comment pourrais-je le savoir? Comment le savoir? Peut-être en allant à leur bureau? Bonjour, mademoiselle. Je voudrais joindre mon mari. Je sais qu'ils sont sur un chantier, mais lequel? Nous l'ignorons, madame. Pourquoi ne pas l'appeler? Écoutez, j'ai essayé d'appeler, mais il est injoignable. Pouvez-vous vous l'appeler? C'est très urgent. Madame, vous devriez parler à sa secrétaire. Elle vous le dira. Ok. Regardant dans son agenda, peut-être y trouverai-je une information. Monsieur, Madame Ariane Jessing le cherche aussi. Il a dû se rendre sur un chantier. Mais pourquoi ? Aujourd'hui est le premier jour d'une navraterie et tous les chantiers sont fermés. Si les chantiers sont fermés, alors pourquoi Ariane a-t-il emmené Neil là-bas? Pourquoi? Et si ce n'était pas là-bas? Où l'a-t-il emmené? Où sont-ils? Où les chercher? Éclaire-moi, mon Dieu, éclaire-moi. Où dois-je chercher Neil? Où pourrait-il bien être? Aide-moi, mon Dieu, aide-moi. Oui, j'écoute. Ariane? Ariane! Écoute-moi! Oui, un instant. Neil! Neil, vas-y! J'en ai pour une minute. Que
fais-tu dans mon bureau? Et à cette heure-ci? Oh, c'est que tu te languis de moi? Tu voulais tant me voir. Que tu ne pouvais plus attendre? Ariane! Ariane, écoute-moi! Tu as bien fait d'appeler aujourd'hui. Toi aussi, tu me manques beaucoup. J'ignore pourquoi. Tu me manques tant aujourd'hui. Arrête, Ariane! S'il te plaît, je t'ai appelé pour te dire... Tu as bien fait d'appeler, Vaidehi. Quel bel endroit! Je voudrais tant que tu sois ici aussi. Il y a peu d'endroits comme ça dans les environs. Si seulement tu étais ici... L'endroit ne serait que plus beau. Mais que faire, chérie, que faire? Il y a d'autres souffrances au monde... Que l'amour. Bon, je rigole. Ne nous attardons pas. Nous serons en retard. Et puis, il me reste encore... du travail à faire. Qu'y a-t-il? La voiture ne démarre pas. J'ignore quel est le problème. Je vais voir. Aïe! Fais attention! C'est bizarre, la voiture ne démarre pas. J'ai aucune idée d'où vient le problème. Et dans ce coin perdu, on ne trouvera ni une dépanneuse ni un taxi. Ne t'en fais pas. La chance est avec nous. Notre cottage est ici. On n'a qu'à y aller. On appellera la dépanneuse de là-bas. Bien. As-tu noté l'adresse? Ok, bien. Il va falloir un peu de temps à Tony pour arriver. Le plus tôt sera le mieux. De l'eau? Non, merci. Nous n'avons eu que... des ennuis aujourd'hui. Ça n'arrête pas. Bon, j'ai une petite faim. Qu'est-ce que... du thé? Oui? Nous avons du thé noir, je m'en charge. D'accord, le thé est ma spécialité. Ok. Avec cette fuite de gaz, il suffira d'une allumette. Neil, il y a de la nourriture et des biscuits dans la voiture. Je vais les chercher. Ok. Ah oui. L'allumette ne prend pas. Elle est mouillée ?